Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. C'est bon? Ok. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, parce que pour en parler, j'ai vraiment nickel chromé. Donc aujourd'hui, nous allons un peu parler de YouTube, ces phénomènes paranormaux et aussi, est-ce que certains YouTubeurs sont maudits. Alors au début de l'épisode précédent, j'avais parlé des bugs, partie 1 et partie 2, ok, ça vous me suivez. Mais là, YouTube n'était pas fait pour faire des vidéos, enfin plutôt vidéaste ou youtubeur. C'était un site de rencontre avant, ok? Non fake. Oui, je plagie un peu ce que j'ai, s'il l'a dit avant. Enfin bref, c'est mon avis. Et apparemment, ça s'est reproduit. Putain, pourquoi j'ai des trucs comme ça? Je suis dans la merde. YouTube, me batte pas s'il te plaît. Ok, mais dis pas de trucs comme ça. Ok, t'inquiète. je suis dans la merde. Donc, certains youtubeurs ont commencé à faire des vidéos. Et maintenant, beaucoup de gens commencent à s'intéresser, putain, au métier youtubeur. Alors, oui, c'était avant un site de rencontre. J'ai dit, what? What the fuck? Un site de rencontre sur YouTube. Des vidéos. Waouh. GG. J'aurais pas fait même gueule. Donc, du coup, après, ça s'est on va pas dire le mot, voilà. Ça s'est produit par des youtubeurs qui ont fait beaucoup de vidéos, qui ont été populaires. Et puis maintenant, bah, beaucoup de youtubeurs sont populaires grâce à ça. Alors, certains youtubeurs sont-ils maudits? Oui, certains. Y compris moi. Oui. Perdre, par exemple, son grand-père et son père. Perdre une voiture et une moto. Perdre une grand-mère et un chien. Un autre chien. C'est pas ma chaîne, ok? Je préfère préciser parce qu'après tout le monde va... Ok? Donc moi je trouve que c'est pas du karma et c'est pas aussi de la malchance. C'est vraiment maudit. Avant, il y avait trois youtubeurs qui ont été maudits, mais c'était plutôt du fake. Hein, c'était vraiment du putaclé pour gagner de la monnaie, ok? Mais là, c'est quelque chose de très sérieux parce que, bon... Les vidéos sérieuses, personne ne comprend ce que je veux dire par vidéo sérieuse, hein, parce que tout le monde sait. Oh, c'est du putain clic, t'as vu, il peut faire masse de vues. Alors, non, pas du tout, ok? C'est juste pour redire que certains youtubeurs sont vraiment maudits. Moi, c'est plutôt vers la fin, ok? TheGuerrier78, GamingStress, sont-ils maudits? Alors, d'après mes ressources que j'ai pu rechercher sur YouTube, déjà que GamingStress perd sa voiture et sa moto. Enfin, je crois que sa moto, hein, parce que il avait dit qu'il avait perdu une moto et une voiture. Enfin, je crois. Une voiture, c'est sûr, mais la moto, je sais pas trop. Et TheGuerrier qui perd son grand-père et son père. Bon, ça, c'était avant, mais je préfère en parler. TheGuerrier qui perd son grand-père et son père, quand même, c'est vraiment un truc... C'est chaud, quand même. C'est chaud. Parce que, voilà... Moi j'ai perdu ma grand-mère et j'ai perdu un autre chien. Donc TheGuerrier monstre ressemble. À part que il a perdu son grand-père. Non, ma grand-mère, il a perdu son père et là j'ai perdu une autre chienne. Bon, ça a aucun rapport hein, ce que je dis, mais bon. Mais moi je trouve que. Comment j'ai commencé YouTube, il y a maintenant 2 ans on va dire. Je trouve que ça commençait un peu à dégénérer. Enfin, je sais pas si c'était mon avis. Mais au début, c'était très bien. Quand j'avais les 159 abonnés, après j'ai été vers les 300. Et puis quand j'ai commencé à faire les 900, là, ça partait un peu. Déjà, il y a eu les pertes d'abonnements, qui perdent déjà la base. Les fameux hacking, d'accord. Les fameux prank hackers. Je sais ce qu'on entend. Voilà. Et aussi des putains de. Je vais pas dire le mot. Qui appelle? Mais bon, franchement, j'ai tout connu. Ah bah, YouTube, il m'a tout fait connaître. Ok, du coup, je suis à côté maintenant.
Je suis Batman. Non, je suis pas en noir, mais je suis Bat Bleu. En fait, pourquoi il s'appelle Batman, chauve-souris? Ouais, mais... Ouais, c'est bizarre. Donc du coup, moi je suis particulièrement dans le maudit absolu. Ouais. Mais je suis pas tout seul. Heureusement, parce que si j'aurais été tout seul, être maudit, alors là... Là... Non mais franchement, sérieusement. Gamis 13, lui c'est vraiment de la malchance, c'est vraiment du maudit. Tekas, c'est vraiment... Là c'est vraiment maudit. Et moi c'est encore pire. Pourquoi les parts d'abonnement, les hacking, les hackeuses, les gens qui sont pas trop bien, qui sont un peu... Et aussi des phénomènes que vous n'avez pas vu et que moi j'ai connu. Vous croyez ce que vous voulez, mais moi je vous dis vraiment la vérité. Je suis pas genre, ouais, tu vas te gagner la masse money parce que comme ça j'aurai beaucoup de vues. Ta mère, moi c'est la vérité, je dis pas le contraire, ok. Donc pas de coucher et couche pas nous, ok. Merci. Moi je trouve que depuis que je suis sur YouTube, j'entends des bruits. Franchement, c'est vraiment des... D'où c'est ouvert ça? Mec, elle sort toute seule partout quoi. Waouh. Et je deviens parano. Bref. Moi je trouve que je suis vraiment sous cul. Et je suis vraiment aussi maudit. Bon. Vous croyez ce que vous voulez, hein. Mais moi je vous dis la vérité. Depuis que je suis sur YouTube, quand j'atteins les 900 ou les 1000 abonnés, je crois que c'est parti en couille, en fait. Vraiment couille, hein. Non mais quand je vous dis couille, c'est vraiment... Vraiment. Ah, c'est pas ça, mais c'est ça. C'est... Waouh. Croyez ce que vous voulez. D'accord. J'oublie pas à me croire. Mais ce que je dis, avec les petits bruits que j'entends le soir, ou alors des bruits comme ça, ou des claquements comme ça. Enfin, plutôt... Je crois que c'est déjà, mais il fait ça en fait. À chaque nuit, fait ça. Alors, croyez ce que vous voulez. En tout cas, ceux qui n'y croient pas, je peux rien pour vous. Parce qu'il faut que vous ayez un nombre d'abonnés. Récent. Ok. Croyez ce que vous voulez. Je vous ai donné toutes mes raisons pour dire que je suis maudit avec The Curse 18 et GameX 13. Ok. Alors, je vais essayer aussi de retrouver aussi des phénomènes paranormaux. Donc, d'ailleurs, aussi le phénomène creepypasta de Squeezie qui avait dit un abonné, enfin un youtubeur qui avait reçu un message flippant veut dire quelque chose. Certains youtubeurs n'ont pas la chance de connaître ce que vous venez de voir. Certains youtubeurs connaissent la malchance et le truc maudit. Ouais, parce que moi ça fait un peu trop là, parce que c'est trop d'étapes. Franchement, les abonnés, croyez ce que vous voulez, d'accord. Alors, j'espère que vous me croirez, parce que quand même, si je fais cette vidéo, c'est quand même pour vous comprendre que parfois, certains youtubeurs sont maudits. Alors, vous allez me dire, c'est du karma, mais c'est pas du tout ça, parce que déjà, c'est n'importe quoi. Le karma existe si tu crois. Ça m'a l'air logique. Enfin, si vous ne croyez pas, ben... Cassez. Vous non. Tu t'es cassé. Non, je plagie là. Non, pas du tout. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre Max de pause bleu. Comment j'ai fait? Oh, Max de pause bleu. Putain, j'ai fait n'importe quoi là par contre. J'ai pas de placement de produit. Vous voulez que je fasse quoi? J'ai même pas de placement de produit. Pour voir un mois 300 000 abonnés. Merde quoi. Plus Vitel. C'est la marque. Bref, j'espère que la vidéo sera plus. N'hésitez pas à mettre. Oh là là. N'hésitez pas à mettre un max de pause bleu. Et du coup, demain, il n'y aura pas de live. Je crois pas. Enfin bref.
Alors, si vous connaissez déjà les trucs qui bougent ou alors qui claquent, franchement, vous êtes dans la team. Non, je rigole, ah, putain, ça c'est vraiment des trucs chantage, putaclic, et aussi... Ok. Mais donc du coup, voilà. J'espère que quand même la vidéo va vous plaire, parce que sinon, ben... Voilà, merde. Bref, j'espère que le zéro bleu n'est pas un max de pause bleu, et... Croyez ce que vous voulez. Mais... Moi, j'y crois. Ciao tout le monde, peace. Bye bye. Je m'assimère. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.